Bonjour. 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 Alors bon, on va peut-être pas faire ça, fait bon bref. Alors nous sommes une compagnie installée à Rennes qui s'appelle les Corias. On a fondé il y a 2 ans. Romain, moi je suis technicien, régisseur de la compagnie principalement. Je fais aussi d'autres choses, d'autres casquettes forcément. On fonctionne en troupe. Et puis moi je suis Cécile, je suis comédienne et metteur en scène. Et on est là parce qu'on a un projet qui peut vous concerner, ma foi. Enfin, vous, n'importe qui. L'idée, c'est très simple. C'est de monter une pièce de théâtre dans des conditions professionnelles avec des gens qui n'ont jamais fait de théâtre. Enfin, on n'aurait jamais l'idée d'aller au théâtre comme ça. Voilà. Et donc, c'est monter cette pièce s'appelle Pochon Millénariste de Eugène Durif, qui est un auteur contemporain, toujours vivant, avec qui on travaille énormément et qui sera présent aussi dans l'aventure. Donc ce projet-là, ce serait sur 8 semaines de répétition en journée. Donc évidemment, il faut que vous soyez libre en journée, étalé sur 6 mois. On ne propose pas des ateliers théâtre, hein, soyons bien clairs. C'est monter un spectacle ensemble avec du monde. On cherche des gens qui sont intéressés à participer à cette histoire, des futurs comédiens que Cécile mettra en scène, accompagnera dans le jeu, dans l'interprétation, et puis à d'autres postes aussi, en régie, au son, à la lumière, au décor, au costume, à la musique également, en charge des musiciens, avec instruments ou pour le chant. Tout ce qui constitue en fait une équipe de théâtre. De troupe, en fait. Ouais. Voilà. Donc ouais, au bout de ces 8 semaines de travail, il s'agira d'aller jouer la pièce 5 ou 6 fois à peu près. Plus si on peut, ce sera bien, mais on va voir. Tout ça se fera au Blône, d'une part parce qu'on habite le Blône, oui. Les deux là, tout près. Notre camp de base, ce sera Carrefour 18, puisque c'est un lieu ouvert, sympathique et plein de ressources. Pochon Millénariste, alors c'est la veille du millénaire, donc on est le 31 décembre 1999. Et les dirigeants d'une ville ont décidé que pour ce nouveau millénaire, il fallait que la ville soit magnifique, propre, belle et tout. Donc forcément, il faut chasser tout ce qui est SDF, zonard, il ne faut pas qu'il y ait de gueux. Donc ces politiques ont embauché une brigade d'humanitaires qui sont là pour chasser tous ceux qu'on ne veut pas voir. Voilà. Sauf que eux décident de se cacher et vont faire leur fête à leur manière. On invite des gens libres en journée à venir nous rejoindre là-dessus. Ça veut dire femmes au foyer, pourquoi pas homme au foyer, chômeurs, personnes au RSA, retraités, des jeunes en rupture scolaire. Et c'est pas un casting qu'on est en train de faire là, c'est pas comme ça que ça se passe, on n'a pas on a besoin de telle personne. Et oh oui, c'est vous qui correspondez à ce rôle-là, évidemment. Non, on vous propose de venir, on se rencontre, on a déjà rencontré une comédienne et un technicien. Ouais. Enfin, qui vont devenir, elle, comédienne, lui, technicien. Non, c'est une rencontre. Ça vous tente, ça vous parle ce qu'on raconte, et ben venez, on va en parler. Et notre idée, c'est vraiment que tout le monde puisse participer à la création, à l'écriture de ce spectacle. Surtout, n'ayez pas peur. On n'est pas des méchants. On connaît aussi les difficultés de saisir son téléphone, d'appeler des gens qu'on ne connaît pas. Le théâtre, c'est vraiment des histoires d'humain à humain. On va prendre le temps de parler du projet avec vous. Si vous avez des difficultés à lire, ce n'est pas un souci pour nous. Si vous avez des difficultés à parler correctement la langue française, ce n'est pas non plus une difficulté pour nous, ça peut même être enrichissant aussi pour la pièce. Le truc, c'est vous faire découvrir un art populaire qui ne l'est plus actuellement. Ben voilà. Ben voilà. Ben viendez.